en tant qu'infirmière. Enfin, exactement, à la base, soins, pour, tout ça. Pour la population. Hein. Pour la population, absolument. Voilà, pour aider. Allez, je viens vous aider. Et voilà. Et du pour aider à, en tant qu'infirmière. Enfin, exactement, à la base, soins, pour, tout ça. Pour la population. Hein. Pour la population, absolument. Voilà, pour aider les femmes et les enfants et tous les réfugiés et la population ukrainienne. C'était quand vous êtes parti quand Là, je suis revenu il y a une dizaine de jours. D'accord. Donc, et vous avez passé 16 jours. 16 jours, je crois, exactement. Ça. Tout à fait en deux fois. C'est ça, en deux fois, c'est ça. Et vous étiez à Kiev, vous étiez où enfin, j'ai fait Kiev, Boutcha. Le fameux Boutcha. Le Boutcha dont tout le monde parle. Voilà, où tout le monde parle. Nous, principalement, juste pour rappeler ce qu'on faisait, oui. C'est donc des transports d'équipements médicaux et des médicaments vers des hôpitaux précaires et aussi sur les orphelinats. Parce qu'il y a des orphelinats... Qui... Vous avez eu des choses assez terribles, je crois. Tout à fait. Alors, je vais assumer totalement hein, ce que je vous dis. Moi, sur place, j'ai été témoin de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place... ont été perpétrés par des militaires ukrainiens. Et non pas par des militaires russes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crimes de guerre russes, mais il y en a aussi au niveau ukrainien. Vous avez assisté. Et on n'en parle pas. Ouais. C'est ça, moi. Quand je suis rentré en France, j'ai été extrêmement choqué, même des personnes qui sont invitées sur les plateaux télé à droite à gauche. 80% de ces personnes-là ne sont pas allées au moment où il y a la guerre et se permettent de parler, etc. Ça m'insupporte. Parce que entre ce que je vois et ce que j'entends sur les plateaux télé et ce que j'ai vu sur place, il y a une autoroute. Pour moi, c'est abominable. Je vais par exemple parler des militaires Azov. Oui. Les militaires Azov, à la base... Mais vous avez vu où ils étaient ils sont alors, partout ils sont partout. Ah, pas ils seulement partout, Azovstal, ou etc. Même à Lviv. Ils sont même à Lviv, à l'ouest. Oui. Ils ont leur scratch, hein, avec le beau scratch néo-nazi, hein, ça se tient aussi à le dire, que pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazi. On n'en parle pas, il suffit de regarder... C'est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine et ça partout, pose. On le voit partout. Partout et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi, parce que je comprends un petit peu l'ukrainien et le russe et beaucoup parlent anglais. Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs. Qui les dépecerait. Ah, carrément. Voilà. Ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi. Et c'était leur conversation qui les faisait vachement rigoler. Voilà ce qu'ils disaient sur les juifs et sur les noirs. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous dites que vous avez assisté. Oui. J'ai vu donc des militaires russes qui ont été capturés et qui ont été donc du coup déjà bien malmenés et qui ont été, attachés. Et en fait, on était dans une sorte de hangar, et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites fourgonnettes par trois ou par quatre. Les militaires Azov ukrainiens leur demandaient « qui est l'officier ?»« Qui est l'officier ?» Je vais vous expliquer pourquoi. Ou ils ne répondaient pas, ou ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense, j'ai des vidéos. Qui l'atteste. Sinon, je ne me permettrai pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils ne répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur donc, de dire « c'est moi l'officier », se prenaient une balle dans la tête. D'accord. Voilà comment ça se passe à Boutcha. Voilà comment ça se passe en Ukraine, du moins pour le bataillon ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. Tout ça, on n'en parle pas. C'est vraiment... Je vais vous raconter encore quelque chose de beaucoup plus grave. Vous avez des bombardements tout le temps, on voit la télé, etc. J'ai vu donc des journalistes américains. Il y a des bombardements qui atterrissent dans un petit parc que vous tout avez ça, vu voir à côté de Boutcha, entre Boutcha, à l'est de Boutcha. D'accord. Et ces Américains donc, font une vidéo...
et disent, ben voilà, c'est les bombardements russes, ça atterrit dans un parc, c'est inadmissible et tout. Je vais les voir, je dis, mais pourquoi vous dites ça, etc. et tout. Ah, on m'a dit, mais c'est pas grave, ça fera des images. Et vous savez ce que c'était, ces bombardements? En fait, vous avez des petits obus, donc vous aviez, si vous voulez, une cible qui était russe à l'époque, hein, il y a quelques semaines, et vous aviez donc une équipe d'Azov, avec qui j'étais, qui était en train de régler donc, des petits mortiers, pour envoyer des obus qui se règlent, si vous voulez, avec des petites à la main. D'accord ? D'accord. Et en fait, ça avait été mal réglé. Et ça arrive, une fois sur deux, une fois sur trois. Donc ces obus, tombé au lieu d'atterrir à 100 mètres plus loin, où il y avait justement les militaires ou du matériel russe oui. atterrit dans le petit parc. Et on fait passer ça pour des bombardements russes. Quoi, on ne parle pas de ça. Et donc tous les bombardements, toutes les bombes, tous les obus qui atterrissent à Boutcha, à Kiev, etc., c'est du russe. Il faut arrêter. Oui, il faut un petit peu réfléchir. Il y a des deux côtés. Les crimes se font des deux côtés. Mais quoi. Bien sûr. Et encore autre chose. Et là, je vais enfoncer le clou, mais c'est pas grave, j'en assumerai les conséquences. J'étais à Lviv. J'étais à l'hôtel. Il y a eu des bombardements. J'étais à 500 mètres d'un missile qui atterrit, où je dormais, tout a pété, les glaces, etc. Je vais tout de suite sur place. Et en fait, on s'aperçoit que les 5 missiles, il y a 4 missiles qui ont tapé des dépôts d'armement. Des dépôts d'armement qui venaient d'Europe, qui avaient été stockés à Lviv en attente que ça soit amené à Kiev et dans des unités. Vous savez où est-ce qu'ils les stockent, l'armement qui arrive d'Europe? Eh bien, ils les stockent dans des locaux et dans des maisons civiles, sans que les gens le sachent. Воїнів держить в руках зброю. Щоб влада собі зрозуміла, що це не 14-й, 15-й, 16-й рік. Сьогодні кожен боєць, кожна мати, яка жде свого бійця додому, кожна дружина, дитина, кожен волонтер жде і надіється на те, що ми звільнимо нашу державу від ворога і вичистимо ці авдіїві конюшні, і будемо жити добре. І ніхто сьогодні, щоб ви зрозуміли, не розраховує на те, що ми виб'ємо їх, а потім ви, корупціонери, будете нас обдирати. Ні, ми будемо вас вбивати. Розумієте, зброї ніхто не віддасть. Ми вичистимо це все, щоб ви зрозуміли, вичистимо. Якщо ви не будете тікати, то ми вас тут будемо закопувати. От в чому питання. Тому корупціонери, оці всі, хто грабував нас, тікайте краще. Краще тікайте. Two things you're not gonna hear. First of all, salute to all the bullshit that's about to appear. First of all, the first one is by a French reporter who was actually in Bucha and Kiev. He's got evidence, so therefore he's telling you what was happening. Attached to this video will be also an article by Le Monde, by another journalist who was in Kharkiv. The video is shocking. It is horrifying to watch. But they have documented the evidence. They've shown exactly that it's real and it's not make-believe. But as normal, the Azov and the Ukrainian amenities will lie and say, no, we don't know anything about it. Or, we've got to do an investigation. Yeah? War crimes. Multiple. I'm yet to see one of a Russian doing it. Seriously. That leads me to the second video I put up there. This was a gentleman who's Ukrainian, and I've got a feeling he's right sector. I'm still trying to find out if he's right sector. And if he's right sector, then people, we have got a huge problem. And it's what I'm warning us about. Because if this man is right sector, they're talking about a military coup. They're talking about once they've removed all the Moskvas out of Ukraine, then they're going to turn on their own government and they're going to kill them all. There'll be no arbitrary law. They will do the law themselves. They will kill them. And trust me, when they say they'll kill them, oh yeah, they'll kill them.
I mean, if you don't believe me what these people can do, well, I can show you videos of a pregnant woman and her husband being strung up by Azov in the forest. I could show you of a man being nailed to a cross being burnt alive by Azov. I could show you footage of videos of men being decapitated by Azov and Right Sector and Aden soldiers. I've got ones where they got shoving the DNR flag into their decapitated heads. I have video footage of all kinds of human atrocities that these monsters are doing. But that's all right. You're 40 billion. Well spent, eh? Let's talk about it, shall we? Because do you know what? We get told we're fighting for democracy. It's all about the democracy. Well, the second news article I want you to look at is in Polish, but obviously get a translator. It's talking about what Ukraine is doing under Vladimir Zelensky. Remember, we can't use the word Z because that's banned. And after the fucking, excuse my French, faux pas of the Eurovision Song Contest, now there is no way, no one can now say that it's not rigged game. Because it is a rigged game. It's a full-on lie. And including the Polish woman doing a bloody Roman salute was just, it was pathetic. The whole shit show is pathetic. But what's more alarming is all these people are, yes, Saint Zelensky, we worship you, we worship you. Let's go kiss the ring of Zelensky. Like I said, but meanwhile, the second article I want you to look and read is telling you what he's doing. They're actually signing a law that there are no pro-Russian parties allowed in Ukraine. So what does he mean by pro-Russian parties? I'll tell you exactly what he means, because the person writing this up is one of the ultra-nationalists. And I'll tell you what it means. I was going to have a cup of tea then. Exactly what it means. It means all Russian-speaking or ethnic Russians or non-Ukrainian Russians, but Ukrainian still the same, will never have a voice. They will be banished. Then it will be the ghettos. Then it will be the camps. And then it will be very large holes in the ground filled with lots and lots of bodies. Well done. Bravo. You brain-dead morons that are supporting this. And that goes for that arsehole, Mr. Dan Crenshaw, who gets the Arsehole of the Year award because here is a so-called soldier from SEAL Team 6 actually defending and agreeing with barbaric torture of prisoners of wars. Let's hope none of his family ends up in a war where they have to worry about whether they'll not follow the Geneva Convention or not. Hmm? So, I will be getting on next week to Mr. Dmitry Yarosh, the power behind the throne. Now, like I said, going back to the second video, if this man is Right Sector, this is my worst fear, because this has been as Dmitry Yarosh is positioning himself to take over the country. If that's the case, mark it down, then we're in a very dark history in Europe to come. A very dark history. Have a nice day. Kleptocracy. Yeah. Kleptocracy. The guys with the kleptocracy.